Mesdames et messieurs, Monsieur Perrin, cher Louis, Monsieur Cardone, chère Madame Perrin. Alors, j'aimerais tout d'abord vous dire, chère Catherine, bien sûr, mais c'est vrai, tu as fait partie de ma vie pendant tellement longtemps, voilà, tu es là en permanence. J'aimerais tout d'abord vous dire combien je suis honorée d'être à vos côtés aujourd'hui, ici à Saint-Louis, pour assister à cette cérémonie de remise de vos insignes de chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres. Un bel événement qui vous met à l'honneur, qui met à l'honneur votre famille et l'ensemble de vos collègues et amis, compagnons de la première heure, comédiens, musiciens et tous les autres, amis qui vous entourent, qui rend surtout hommage à la richesse et la grande diversité de vos créations et productions culturelles, artistiques. Vous faites partie du petit cercle de ces personnages qui ont su dévoiler leur talent et leur génie créateur dans une incroyable multiplicité d'expressions. À la fois romancier, dramaturge, auteur de recueils de poésie, d'essais littéraires, de chansons, musicien et auteur de bien et d'autres créations, vous avez franchi les décennies comme un bon vin en capitalisant tous vos talents. Je sais combien la ville de Saint-Louis vous tient à cœur. Ce n'est pas étonnant quand on porte le nom de Louis. Je sais aussi combien la ville de Saint-Louis vous doit beaucoup. Alors, je regrette le départ de M. Hubert Schlag. Voilà, je vous ai accompagné aussi pendant tant d'années. Vous faites partie de ce petit cercle des grandes personnalités qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire de notre ville. Oui, il est difficile de vous dissocier de la construction de l'identité de l'histoire culturelle ludovicienne. Vous avez été souvent présent et initiateur de grands et beaux événements. La liste est longue et nous pouvons retenir en particulier la Compagnie d'Ulysse, l'écriture et la mise en scène de la guerre de la liberté lors du bicentenaire de la Révolution, mais aussi le Festival Théâtre, Festival international de spectacles courts, et la pièce des frères soldats. Des pièces. Pardon, je vois Stéphanie, bien vu Stéphanie. Oui, ta présence aussi est incontournable avec nous aujourd'hui. Stéphanie Gartas, qui est adjointe au maire de Saint-Louis. Merci Catherine. Vous avez trouvé et fait votre place sur la scène culturelle de Saint-Louis en toute humilité et très naturellement. Vous êtes devenu un acteur incontournable du développement culturel et des pratiques culturelles à Saint-Louis. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire combien nous sommes fiers à Saint-Louis d'avoir pu vous accueillir et vous donner des scènes et des planches pour exprimer tous vos talents. Bravo et merci à vous pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous êtes. Votre promotion dans l'Ordre des Arts et Lettres vous va merveilleusement bien.